À cause de cette petite rivière, je dois me taper un détour de 3-4 km tous les jours pour aller au marché. Je sais pas qui a fait les plans d'Abidjan, mais il n'y a pas d'autre passage que celui-ci, sur lequel on vient de passer, depuis mon logement jusqu'au marché. Et en vol d'oiseau, j'ai vu, hein, c'est même pas un kilomètre. Je n'ai pas parlé encore de transport au sein même de la Côte d'Ivoire. Alors vous avez différents choix évidemment. Il y a les transports intervilles, je vous en ai déjà parlé dans la première saison, et les transports intervilles. Pour aller d'une ville à une autre, c'est un peu comme partout hein, dans les pays du tiers-monde, vous avez les taxi-brousses, c'est-à-dire des camionnettes qui transportent les gens et qui partent une fois qu'elles sont pleines. Pour ça, franchement, si vous n'êtes pas difficile, les trajets sont vraiment un bon prix. On fait dans les environs de 300 jusqu'à 400 km pour même pas 5 euros 4 euros, donc c'est vraiment raisonnable. Par contre, lorsqu'il s'agit de se transporter à l'intérieur de la ville, ça devient un peu plus difficile puisque vous avez deux types de taxis et des bus. Alors les bus, évidemment, c'est ce qu'il y a de moins cher. Vous avez un passage pour environ 50 cents, même pas. Mais vous êtes très serré, et ça reste difficile parce qu'ils ne passent pas partout. Et évidemment, comme je dis, vous êtes très serré, et les bus, les horaires, c'est middle. Hein. Puis vous avez les taxis. Alors il y a deux types de taxis, je vous ai dit. Il y a le taxi jaune, comme celui là-bas. Le taxi jaune, c'est ce qu'on appelle les petits trajets. C'est-à-dire, les taxis jaunes tournent dans un quartier. Et dès que vous voulez rentrer dedans, même s'il y a des gens à l'intérieur, ils s'arrêtent, ils vous prennent, ils vous déposent un peu plus loin dans le quartier dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, il y a aussi plein de taxis orange, comme celui là-bas. Et les taxis orange, là, ils tournent partout dans la ville. Donc, vous pouvez vraiment demander d'aller de l'autre côté de la ville. Par contre, ça reste individuel. Donc, une fois que vous êtes dedans, comme le monsieur là qui vient de rentrer, et plus personne rentre, ce qui fait que vous payez la totalité du trajet et ça revient beaucoup plus cher. Alors ça reste raisonnable pour un taxi quand on regarde du côté européen, mais finalement je me suis rendu compte que ce que l'on payait le plus pendant le voyage, ce sont les transports à l'intérieur de la ville. Si vous voulez avoir une idée du prix d'un taxi orange, en fait on s'est rendu compte que on a payé le même prix depuis le logement jusqu'à la gare que de la gare jusqu'à Sassandra, le jour où on a fait le trajet jusqu'à Sassandra. Donc, rien que le trajet à l'intérieur d'Abidjan, c'est-à-dire à la capitale, a coûté la même chose que le trajet de presque 300 km depuis Abidjan jusqu'à l'autre ville où on se dirigeait en taxi-brousse. Pour vous donner une idée des prix.